bienvenue au Palais des Sports de Beaublanc. Salut Thierry. Salut Antoine, salut à tous. C'est le derby, on attaque 2013 par une affiche à Beaublanc. On ne va pas se fier au classement des deux équipes. À Limoges CSP Boulazac, c'est toujours un événement. Et ça l'est Thierry ce soir au regard de l'engouement qu'il y a eu pour le match. Hein. Eh oui, une fois de plus, un Beaublanc affichera complet. Hein, et dès l'ouverture de la billetterie dès mardi, il y avait une file d'attente énorme. Un CSP BBD, ça reste toujours un match à part. Un derby, vous l'avez dit, on est gâtés cette année, on avait déjà eu le match contre Poitiers. On espère que l'issue sera également bonne pour le CSP, en s'évitant les frayeurs. Boulazac dernier, mais on l'a dit, CSP Boulazac, un match toujours à part. Ouais, dernier, en plus, on peut dire que le BBD a un peu modifié son effectif depuis quelques temps, avec notamment l'arrivée de deux bons pédigrés, on va dire, pour la proie. Ross et Robertson, on les découvre, Thierry. Il y a des joueurs qu'on connaît bien, mais il y a quand même de la qualité malgré le classement. Oui, on se rappelle bien sûr l'an dernier ce duel avec Boulazac, avec les joueurs à Monroe en tête, également Dubiez ou Gaillou, et puis les petits nouveaux Robertson, vous l'avez dit, et Quinton Ross qui ont des parcours en NBA. Équipe de Boulazac entraînée par Sylvain Lautier. Voilà l'effectif du CSP toujours amputé d'Angelo Tsamis, c'est la seule absence. On retrouve Joe Sambou, Trent Bestil évidemment, Ken McAlarney, Nobel, tous les trois avec tout revenu du All-Star Game, on y reviendra au cours de la soirée. Donc on vous l'a dit, Limoges CSP Boulazac, l'affiche, match important pour finir l'année, la phase d'année, on ne pourra pas équilibrer le bilan, mais ça serait bien surtout de prolonger la bonne série enfin à domicile. Ce match qui sera arbitré, on va le voir par Joanne Jeannot, David Morse, Philippe Créton, pour jeter un œil, le coup d'envoi dans quelques instants, les 5 majeurs bien sûr. Pour Boulazac à la main, on va retrouver un autre Erkoff. Arrière, Robertson, le petit nouveau, avec Quinton Ross. Dessous, Mehdi Chariot, la nouveauté hein, pour Lautier, avec Daryl Monroe. Au CSP, on le voit, Noah Lanaker s'occupera de la main avec Joe Gomis, Jean-Michel Nipoca. Et puis dessous, Sambou Traoré, et puis là aussi le petit nouveau, Trent Plestide, qui avait fait, hein, on l'avait suivi ensemble, un bon match contre Orléans. C'était juste après Noël. Ouais, le CSP qui avait vécu une grosse semaine fin 2012, qui va en vivre une nouvelle grosse début 2013 avec là aussi 3 matchs. Boulazac ce soir, Pau Orthez pour le classique en Coupe de France mardi. Et le BCM Granoux Dunkerque qui a mis une correction, on y reviendra à Chalon hier soir, plus avec 33, hein. Le MVP du All-Star Game qui a fait parler la poule encore une fois, Dwight Bates. Alors que le coup d'envoi fictif va avoir lieu maintenant dans quelques secondes sur le parquet. Ça fait plaisir hein, de retrouver tous les Limougeaux. On en profite pour ce premier match. Pour vous souhaiter bien entendu une bonne année 2013 au nom du CSP et du CD Image CSP. En espérant que tout se passe bien, à commencer par ce soir. On voit Sambou Traoré qui a accolade avec Monroe. Sambou Traoré, le héros l'an dernier. Jack, presque un an. C'était en février dernier, c'est le mini hold-up du CSP qui avait fait tant de bien pour la montée en Pro A. Deux équipes qui se côtoient depuis de nombreuses saisons, en N1, en Pro B, maintenant en Pro A. Et c'est parti pour le premier face-à-face de la soirée. Plestide Monroe. On risque de les revoir tous les deux face-à-face. Et c'est Gomis qui a le ballon. Le capitaine Joe Gomis. Nipoca. Oh, Wanamaker échappé la balle hein, face à Robertson. Robertson Ross, on va aller regarder de près, un beau pédigré, on l'a dit. Des joueurs qui ont joué à NBA, qui ont eu des vrais rôles. Robertson qui avait joué aussi avec Strasbourg, il a fait une très bonne saison. Grand shooter à 3 points, c'est son premier match ce soir. Ah, c'est ce qui manquait, il a fait un match de préparation, notamment contre Vichy, plutôt prometteur. Monroe face à Plestide. Le ballon s'est coincé contre le cercle. Pas le restaurant pour Boulazac. Mise en jeu avec Kerkhoff. Avec Robertson tout de suite, 2 points, c'est raté. Et le rebond, Traoré. Nipoca, Plestide, Wanamaker, pas trop de solutions. Allez, 10 secondes, il faut enclencher quelque chose. Wanamaker, 2 points, c'est long encore. Rebond, échappé par Sambou. Allez, manque de rythme, c'est ce que Nico Sinardo s'est confié.
la manque de compétition, forcément, vous avez beau vous entraîner, vous n'avez pas le rythme. Le rythme des matchs, pour l'instant, là, sur les 2-3 premières balles, Limoges en a manqué. Kerkhoff. Charrier, Ross, et c'est compliqué, Ross, c'est raté, rebond Mikoka, Boulazac maladroit, pas des choix évidents là, Domis, Plestide, oh, il fait le tour Plestide, super panier, il a vraiment un vrai pivot très Plestide avec des mouvements de pivot. Boulazac, on l'a pas dit, amputé de McKenzie et de Hawkins aussi ce soir. Charrier à 3 points, oh, c'est long ça. Remont de Mipoca. Si Boulazac commence à balarguer de loin, pas trop de solutions à Gomis. Et il va à Gomis, c'est raté. Rebond Monro. Ah, ça joue vite. Avec Ross. Ouais, bonne faute. Vraie faute de Brad là, qui interdit le panier. Vous pouvez Ross relancer. Il est arrivé fin novembre, Ross. Il marque. Il tourne à 8 points, 4 bons à peu près en moyenne depuis le début de saison. Ancien de Clippers, ancien de Memphis, Dallas, Washington, New Jersey, pas mal de franchises. Et Wanamaker avec Sambou qui se déplace dans la raquette. Ouais, Joe, il a l'air bien en jambes une fois de plus. Plus la faute. Edouane pour Jogo. Vous avez pané pour le capitaine Limoujo. Il est allé chercher celui-là. Djogomis, on l'a dit, au All-Star Game le 30 décembre dernier pour le concours de meneur. Et il rentre son lancer. 5-2, c'était la première faute d'Arnaud Kerkhoff. Kerkhoff, justement, avec Monro. Ross. Ah, belle passe pour Charrier. Oh, Charrier, belle passe de Plestide, et comme tout à l'heure, cette fois-ci il y aura possession au CSP. À Trent Plestide, saignant dans le début de match. Lui qui avait été un peu frustré du match à l'Astrobal face aux intérieurs lyonnais. Il est bien rentré dans son match, Trent Plestide. Justement, il y a le ballon Plestide face à Monro. Ressort à Mipoca. Plestide, il va enrouler à patte gauche. Ah, c'est dommage, c'est raté. Rebond de Monro. Monro. Ah, la belle passe. Et le dunk. Cette fois-ci. Ouais. Pas de problème pour Charrier. Il est allé, Charrier. Il ne s'appelait pas coach Anakis. Mipoca, Gomis. De points extérieurs, Jean-Mi, c'est long. Rebond et de Charrier encore une fois. Kerkhoff, ça va vite hein, pour Boulazac. Ouais, ça a été un peu de précipitation au rebond. La balle restera au BBD. Allez, sans vous pas d'accord, on se reconcentre. Pas beaucoup de points et pourtant très peu de fautes. Hein. Les équipes ont plutôt du mal, sont un peu rouillées en début de match. Ça joue assez vite, mais pas trop de réussite. Hein. Justement, encore raté, rebond. Voilà, comme attaque, Wanamaker, non, Sambou était pris. Il y a les Wanamaker et la faute. Robertson, qui n'a pas eu le choix là. Brad est venu s'empaler sur lui. Yanakis en grande discussion avec Sambou. Ça va faire de lancer. Hein. On sait qu'il apprécie son joueur, le coach grec. Et Brad sur la ligne. Ça rentre.
en valse avec Sambou. Monroe, encore une fois en meneur. Ross. Peterkoff. Bon repli. Plevski qui vient aider assez loin. Ross, il débat. Passe pour Monroe. Bien joué, Wanamaker. 3 contre 2 pour Limoges. Qu'est-ce qu'ils vont faire réveiller tout seul? Et il bat. Oui, encore. Il avait le choix, il avait. Il préférait y aller tout seul plutôt que prendre la passe, il a eu raison. Vous ne pouvez pas lui laisser 400 mètres d'élan à Bradley Wanamaker, car vous ne le revoyez plus. Il n'a pas l'air, hein. c'est vraiment le folon par excellence. Mais une fois qu'il est parti au panier, j'ai parlé la finition. C'est l'occasion de rajouter un point pour Brad. Alors 4 points pour lui, 9-4 hein, pour le CSP. Et 6 minutes à jouer. Robertson. Pas trop vu Robertson justement. Et c'est encore raté. Claquette une fois, deux fois. Et Plestid. La tour de contrôle, Fred Plestid. Bien aidé par Vipoca sur le. Peut-être le jeu à deux. Là oui, Plestid avec Joe. Aïe, lâcher de balle un peu rapide, hein, Plestid. Robertson, il y va, cette fois-ci il va marquer. Voilà, typiquement le joueur américain. Un bon point et on va tirer le cerf. On se pose 5 questions. Hipoca qui se démarque, peut-être l'écran de Plestid. Pour lui, allez, Jean-Mi, il faut le mettre. Non, on n'a pas d'adresse. Rebond très haut de Kerkhoff. C'était un bon shoot, cette Hipoca, dommage. Il va falloir revenir à égalité sur un 3 points. Kerkhoff, Monroe, la puissance contre la verticalité de Plestid là. Monroe qui enfonce, qui enroule. Ouais, c'est raté hein, pour Monroe. Balle au CSP, bonne défense de Plestid. Alors Kramseye va rentrer à la place de Mehdi Charrier sûrement. Premier changement de ce match. Sylvain Lautier qui a poursuivi donc l'aventure. Avec son équipe. Prestid pour Djogomis. Oh, super Joe! Être en récours au bon Prestid. Ah, c'est raté, dommage pour la Trent. Il réclamait quelque chose. Il n'y avait rien, honnêtement. C'était compliqué sa finition. Ross. Et la faute. Faute de Limoges, de Hipoca. Brockman va rentrer en jeu. John Brockman qui va relayer son bout Traoré. On va refaire une raquette 100% US dans les rangs du CSP. Et JBS qui relaie Robertson. Ouais, Robertson, il n'a pas eu de réussite hein, pour ses deux premiers tirs. Allez, Monroe. Pour Kerkhoff. Ça raté encore. Ah, les deux équipes ne font pas preuve de beaucoup d'adresse. 2 sur 11 pour Boulazac au tir. 3 sur 11 pour Limoges. C'est vrai que c'est pas brillant. Joe, l'écran de Brockman. Joe, il va tout seul en 1 contre 1. Et la faute de Quinton Ross. Sous les panneaux, Wanamaker, Joe qui s'est démarqué, non. C'est de l'autre côté, ça arrive dans les mains de Hipoca. Gomis qui traverse la raquette. Et offensive de Plestid. Faute offensive, pas content Trent. Monsieur Jeannot intransigeant. C'est la première, hein, du pivot mormon du CSP. Et remise en jeu pour le BBB avec Kerkhoff et Dubier. Boulazac a épinglé des gros cette saison. Hein. 4 victoires, mais. Ouais, Chalon et Le Mans notamment. Quelques coups. Notamment Antares. Et 3 points de Dubiez. Et 3 points qui ne demandent rien à personne. Pour le plus grand plaisir des supporters de Boulazac tout là-haut. Ouais,
près de 200 fans périgourmains qui ont fait le court déplacement. 9 partout. Hein. De Limoges à Beaublanc. La face lobée pour Blestide. Une nouvelle faute, ça cite beaucoup là. Monroe-Blestide, hein, le duel pour l'instant de la soirée. C'est la faute de Boulazac qui a 4 fautes. 5 fautes même le relancé, c'est bien ça. McElarmy est rentré. Ah, il remplace Joe. Pestil de lancer. Ça rentre. 19. Et 1 sur 2, le CSP qui en laisse en route. Ce soir des lancers au bon de Boulazac qui peut prendre les commandes sur un panier. Ross. Ramseyer, il y va. Ah, il a marqué Ramseyer. Joli, pas évident. Hein. Boulazac devant. Coach Lottier qui réclame la faute en plus du panier. Mac. Ah oui, j'avais raison de le noter. Un BBD qui passe devant. Bumbukolo qui est là aussi. Nobel, Wanamaker 1 contre 1. Brockman au poste. Et Brockman maladroit, c'est raté. Et Boulazac qui a le ballon. Monroe en difficulté. Allez. Monroe qui fait souvent la même position de meneur. Kerkhoff. Ouais, Brockman qui est bien venu aider. Monroe qui prend pas le 3 points. Ouais, mais il a un bon shoot. Ouh, c'est court cette fois-ci. Petit bras là, Derrick Monroe. Et la transition, la belle passe pour Plessis qui relaie sur Nobel. Un 3 points Nobel. Oui! Super! Ce début de match, hein. Et la vision du jeu de Trent Plestil. Oh, il a un point pour Plestil. Hein. Sur un pas. 13-11. Et Bumbukolo, voilà. Il ne faut pas, trop de position pour ouvrir son capital. Joli, là. C'est Ross. Ross et ses faux airs de Ralph Biggs un petit peu. Hein. Physiquement, ouais. Et dans son shoot. 4 points pour Ross, hein. Très propre, là. Alors que Fréjus Verbeau, on l'aperçoit, le grand Fréjus, on va bien relayer sûrement en train de Plestil. Brockman, on lui laisse de l'espace, on sait qu'il n'est pas hyper à droit de loin, au contraire de McElarné. Bon, il prend son élan, Plestil, il rentre, et c'est dedans. Plestil, Et il est quand même énormément cherché par ses joueurs, Trent Plestil. Il a beaucoup de ballons. Quelqu'un qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, il s'est fondu tout de suite dans l'équipe. 2 sur 5 au tir, hein. Il a déjà eu 5 tirs, Plestil. Ah, la faute de Kyle. 15-13, c'est un peu accéléré là, au niveau du tableau d'affichage. Et à sortir Plestil, souffle un peu. Ouais, bonne première minute de Trent Plestil, vous l'avez dit, malgré quelques problèmes de finition. 5 points de rebond. C'est quand même un sacré point d'ancrage dans la raquette. L'occasion de saluer Ty Walker hein, qui rebondit en Pologne, l'ancien Limougeau. C'est hier face à Zerbeau. Ah, c'est compliqué là. Ah, c'est heurté au mur. Là, Fréjus. Ah, une seconde, la faute sévère là. Ah ouais, le stop était là, c'est dommage. Il n'aura pas lancé. C'est la quatrième faute limougeaude. Non, c'est la cinquième. C'est la cinquième. Ouais, c'est la cinquième. 5 joueurs à une faute des deux côtés. 2 lancés, Ramseyer. C'est long. Joueur au rebond là, fait confiance à Ramseyer qui marque 15-14. Wanamaker. Pas sorti encore Wanamaker, c'est le seul. Alors un contre un de Bradley, il n'a pas osé prendre le 3 points. Il prend le 2 points, il s'est raté, rebond Ramseyer. Qui monte en puissance, hein, le franco-suisse. Et la balle pour passer devant. Biaise. Oh, la belle passe va aller au panier. Non, mais il va rater, là.
Seigneur, un rebond Zerbo. Allez, 30 secondes, Limoges toujours devant. Premier carton en rodage, on va dire, des Limougeaux. Brockman pour Zerbo, attention, 3 secondes, Fréjus. Dommage, il va rater, ça se bat au rebond. Pas le programme Seigneur. Allez, Nobel qui a pris un coup, l'arbitre qui arrête pas le match. 3 points du Biez, heureusement que ça rentre pas. C'est un peu précipité du Biez. Hein. Nobel à terre. Et Ramsey et Nobel, ça chauffait déjà sur 2-3 actions. Enfin, si c'est bien Ramsey, hein. Il me semble. Alors, c'est involontaire, on ne doutons pas une seconde. Mais c'est un petit peu séché Nobel. L'occasion, voilà, en 5 secondes 9 de marquer. Reprend un petit break. Boukolo qui est allé reprendre ses esprits sur le banc. Retour de Joe. Pour faire un coast to coast peut-être Joe. Vous jouez avec eux avec McAlarney sur un pas, donc Joe va y aller tout seul. Ah, la faute, oui. 2 secondes 1, Boulazac aura les armes, hein. Il y aura un temps mort sûrement. On a entreaperçu Angelo Tsamis qui s'est levé pour applaudir son capitaine. On le salue Angelo, hein, qui ne devrait pas tarder maintenant à faire son retour. Il manque au CSP, hein. L'homme a tout fait un petit peu du jeu du Mougeot. Pas temps mort, McAlarney va aller s'asseoir. Gomis au lancer, mais Bumbukulo est revenu. Gomis qui marque le 4e point. Deux points pour Joe. Vous avez pas de bêtises, pas de faute surtout. Marché, oui. Ah, mal joué là, Dubiez. Ah oui, très mal joué, hein, parce que j'avais tout à l'heure un ballon pour passer devant à la mi-temps. Là, et pourquoi SP, pas creuser un petit peu plus l'écart pour le CSP maintenant. Faut pas traîner un shoot. Joe Gomis, catch and shoot. Ah, dommage, Joe. 17-14, fin du premier carton, 10 minutes de reprise, on va dire. On espère que le CSP va monter en puissance. A tout de suite. Plus 3 pour le CSP, 17-14. McAlarney est revenu, Zerbo Brockman dessous et Bradley Nobel sur les ailes. Et là, là pour Boulazac, plus 3. Hein. À Limoges un peu poussif, comme la salle, on sent. Il n'y a pas encore la grosse ambiance. Ça va monter. On est loin du premier carton de l'année dernière, mais forcément les enjeux, les positions ne sont pas du tout les mêmes. Du biais, attention. Allez, il plie en touche, évidemment. Biez, il a fait un marché là, bien en touche. CSP va pas s'en plaindre, hein. CSP qui peut appuyer là. Maladroit, hein, Limoges, 5 sur 17 au tir. C'est pas mieux en face, hein. 5 sur 18. Allez, du mouvement un peu là, peut-être avec Wanamaker. Eh, Nobel, il a la possibilité de marcher. Aussi. Festival là. Brouillon. Darnell Harris et... Ah, il va rentrer Harris. Anthony Robertson pour leur retour. Harris, il n'a même pas joué du tout du premier quart-temps, le meneur américain. Allez, face à McAlarney, Dubiez, c'est limite encore. Monroe, pas marqué Monroe. Et oh, voilà 3 points tout de suite. Hein. Voilà comment entrer dans son match de la meilleure Harris. Des façons. Vu qu'il y a un homonyme célèbre en NBA il y a quelques années, il me semble. McAlarney. Il a perdu. Monroe était là. Allez, il ne faut pas s'endormir là, le CSP. Attention à ce joueur. Hein. Qu'il ne soit pas le. Et Dubiez tout de suite. De raquette, allez, Dubiez, il fait vraiment. Raté là. McAlarney. Nobel qui la demande dessous, on va attendre Brockman.
Zerbo, attention, 3 secondes Fréjus. Les zones là, de Boulazac, qui passe en zone, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, Brockman au rebond, 6 secondes, ça n'a pas touché le cercle. Il va falloir faire quelque chose, Wanamaker. Ouais, Bradley, c'est raté, claquette de Nobel. Laborieux, mais la présence au rebond offensif, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le CSP. 5 points pour Nobel. Harris. Monroe, enfin super. Monroe. La spéciale d'Aaron Monroe qu'il a tant fait l'an dernier. Premier panier hein, pour Monroe. Lui qui était aussi All-Star Game, hein, Monroe, avec la bonne saison statistique qu'il fait avec Boulazac. Brockman. Ça s'est rafraîchi. Brockman, meilleur rebondeur pro. Hein. Maintenant, il est dans les. Ah, belle dans passe, Zerbo oh de Fréjus. Voilà ce qu'on voudrait voir plus souvent. Domis, le caviar de Michael Armé. Son retour en départ de Wanamaker qui n'était pas sorti. Et alors, étant mort, hein, ouais, Bojo, est pas vu, mais étant mort de Sylvain Lautier qui n'a pas du tout aimé les deux dernières offensives Limou Jaune. Surtout la défense de son équipe. On vous l'a dit hier, hein, il y a eu un match comme d'habitude devant les caméras de Sport Plus, un carton. Ah oui, alors incroyable, Chalon. Et cette année, on ne fera peut-être pas un record, mais une perte qu'on n'avait pas vue depuis une vingtaine d'années. Le nombre de points en deuxième mi-temps de Graveline, qui a égalé ce qu'avait fait certains Limoges chez SP en 90, il me semble. Ils ont fait 72 points en deuxième mi-temps, le BCM. 73 points. 73 points. C'est vrai qu'ils étaient menés à la mi-temps à 38-29. Ils ont 39 points en troisième quart-temps, 34-20. Énorme. Dwayne Bucks, 22 points. Puis, donc 33 points dans la musette pour Chalon. Une plus grosse défaite pour les hommes de Greg Peugnot. 102 points, c'est le record de points de la saison hein, pour Gabin. Voilà qui va animer les chiffres de la journée. Hein. On devrait retrouver, bien entendu, en ce début de saison, en ce début d'année, surtout par contre. Et puis donc, il y a quelques matchs ce soir importants. On suivra en fil rouge pour la place en Leaders Cup. Ça va jouer entre Cholet et Orléans. Roanne, qui peut encore y aller, Roanne Le Havre ce soir. Cholet, Paris-Levallois, Nancy-Poitiers, Dijon-Nanterre et Strasbourg-Orléans. Limoges peut encore y aller avec beaucoup de concours oui. De circonstances. Déjà, il faut gagner. Et il faut surtout que les deux équipes à cette victoire. C'est Cholet et Orléans, faut que Cholet s'incline. Sinon, la cause est entendue. Deux équipes que Limoges a battues et en cas d'égalité, voilà, ils auraient déjà cet avantage-là. Monroe. Un contre un face à Zerbo. De toute façon, il faudra sortir les calculettes. Vous suivrez bien sûr tout ça sur les sites. Et Fréjus qui défensivement a bien gêné son homologue du BBD. Attention, ces ballons. Bongoukolo, ouais, compliqué. Perdu Harris et la faute tout de suite de Mac. Un petit. Lautier qui réclame l'antisportive. Cette bonne guerre. Bon, dans l'idée, il n'a pas tout à fait tort. Hein. Mais d'ailleurs, elle y est. Hein. D'ailleurs, elle y est par l'arbitre. Antisportive après coup, on va dire. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est vrai qu'il aurait pu la citer tout de suite. Mais Mac a fait une faute, il était derrière, il a fait faute. Ah, il peut s'excuser maintenant. Il a réclamé trop vite. Hein. Alors, de lancer pour Harris qui fait du bien depuis son arrivée. Raté. L'arbitre Monsieur Jeannot qui est en discussion avec Denis maintenant avec Sylvain Lautier. 1 sur 2 pour Harris, 21-20. Deuxième faute à Macalard. Nouveau ballon pour passer devant hein, pour le BBD. Harris. Oh, il est passé Harris. Oh le fort oh, on va bien joué, la contre-attaque, Denis pour Bongoukolo et le dunk. Rien de tel pour remobiliser tout le monde. Et Fréjus Zerbo depuis son entrée. Important, hein, voilà ce qu'on aimerait voir en défense. Il a même claqué un dunk en attaque. C'est surtout, il jette le jeu intérieur. L'antisportif n'aura coûté qu'un point.
qui aura remobilisé tout le public. Le voilà Fréjus. Harris. Il est l'Arsenion, hein, Darnell Harris. Monroe va prendre le tir à 3 points, fallait shooter, hein. C'est casse-croûte, il s'est raté. CSP, plusieurs fois qu'il rate le coche, le BVD de prendre l'avantage. C'est peut-être le moment maintenant de faire un mini break là. Pourquoi pas par cet homme, McAlarney. Ah, si une équipe de 3 connaît bien McAlarney cette saison, c'est le BVD. À 2 points. Ah, c'est raté. Bien joué. Oh bon goût, Colo. Plein de malice là, Nobel, pour arracher le ballon. Faut tourner. Je crois qu'on n'avait pas vu Nobel dans son dos. 8 secondes. Système. Allez, Demis. C'est pour le patron. Demis à 3 points. Et voilà. Oh, impeccable, Joe Demis. Oh, il est là, Demis, ce soir. Ah, mais il est de retour, hein, depuis. Enfin, il a toujours été impliqué, Joe, hein, mais il a retrouvé notamment son adresse depuis le mois de décembre. Et comme par hasard, ça a coïncidé avec le retour du CSP. 8 points ce soir pour Demis. Meilleur marqueur du match. Et premier break, hein, plus 6, 26-20. Il y a un image qui a varié son jeu depuis la sortie de Plestide. Moins de balles à l'intérieur. Mais du coup, les extérieurs ont pris le relais et plutôt bien pour l'instant. On a vraiment deux pivots complémentaires. Hein. Un dur sur l'homme, Fréjus en défense. Et l'autre plus doué en attaque. Monroe. Et encore une fois, bien gêné. C'est raté, Monroe. Hein. Il n'y arrive pas ce soir, Monroe. Demis, très saignant, Joe, vous l'avez dit. Il va trop vite, Joe. Allez, il attend, en place. Hugo Colo à 3 points. Oh, c'est une saucisse, là. Ah, mais. Il se jette, Rockman. Dommage. Dommage. Et Monroe contre-attaque. Les Mougeaux ne sont pas tous revenus. Oh, la faute peut-être sur Robertson. Robertson, ouh, heureusement. Pas chanceux là, pas vernis Robertson. Demis. C'est un palier là, ça fait vraiment exploser vos blancs. McAlarney. 8 secondes, il va falloir faire quelque chose. Brockman, tête de raquette. Et voilà. Oui, John. Plus 8. Et il est temps là, souvent l'autier. Il va rater tout ça par un temps mort. Là, il a... Break important, mort. D'autant plus qu'on est sur un petit score. Oui, 28-20. Boulazac, 20 points marqués en 15 minutes par DBD. Avant la, la trêve de Noël, Boulazac était sur 46-51 points marqués. C'était très peu. Les pauvres Boulazacois ce soir, et c'est pas bien, pas bien mieux. Et sur le temps mort, le premier Orto Magico de 2013 par Beaublanc. Scotché là avant. Toujours maladroit hein, les Périgourdins, 7 sur 26. Charrier. Bien joué, Fréjus encore.
sur Monroe. Et nouvelle offensive pour le CSP. Derrière Tambor Plotier, ça fait mal. Ça. Ouais, mais c'est César Pau encore qui a fait le petite mimine, là, qui a gêné Monroe. Brossman, Hugo Polo. 6 secondes, Nobel. 1 contre 1. Et il va, Nobel, et il va marquer. Le poignet. 9 points. Une partie de fin, un très grand match encore, Nobel. Nobel qu'on a retrouvé dans le top 10 LNB du mois de décembre, hein, avec son contre lors du dernier match. Contre Orléans. Charrier. Gross. Gross, c'est la faute. Petite faute. Peu de faute dans ce match. Hein. C'est seulement la deuxième faute pour Limoges. Kouberzak n'a pas de faute dans ce carton. 7 fautes à 6, on ne peut pas dire que les sifflets chauffent au niveau des arbitres. Voilà Bradley, Wanamaker. Comme dirait Jean-Louis, et la remise en jeu avec Charriette dans le corner. Et Ouh, toujours encore là. Encore. Plus 10, là, c'est le bon moment. Là. Robertson a des jambes de feu, mais face à Gomis, il a trouvé un client. S'en est aperçu. Hein. Barson qui a mis 2 points, hein. 1 sur 4. Il faut lui laisser le temps aussi. Il vient juste d'arriver après la trêve. Harris, Charrier. 4 shoot. Points. Ah, mais ça rentre toujours pas. Hein. Ah, pourtant, même les 4 shoot à Boulazac. Hein. Mais ça fait le tour du cercle. Wanamaker avec Brockman. Attention, John, pour ressentir ça. Voilà. Nobel. 10 secondes. En faute sur Brad, là. C'est pas sifflé, monsieur l'arbitre. À l'opposé, Nobel. Faut shooter. Ouf, il s'en sort bien. Cette fois-ci, elle est sifflée sur Quinton Ross. Monroe est allé au sol. Pas content, Monroe. C'est vrai qu'offensivement, ils n'y arrivent pas. Hein. Ah non, ils sont à 20 points. Alors ils 7, ont eu 7 sur 27, 208 à 3 points. Il y a eu 2 ou 3 3 points qui ont vraiment fait gamelle. Ça vous change beaucoup de choses, hein. Ça fait l'écart. Mais beaucoup de mal à rentrer dans la peinture, hein. Nos amis du BBD. Monroe, c'est vrai, Monroe, 1 sur 8 au tir, Monroe. Alors voilà, Plesky, des ovations, écoutez, ça fait plaisir. Et il la mérite bien, Fréjus. Le Rock en défense. Peut-être son meilleur passage depuis le début de la saison. Hein. C'est vrai. Il avait fait 2-3 belles sorties à l'extérieur en début de saison, mais à Beaublanc, sûrement sa mi-temps la plus accomplie. Hein. Technique à Monroe. Là, M. Jeannot un peu agacé. Monroe, il n'est pas dans son match. Il va sortir d'ailleurs. Hein. Deuxième faute pour lui. Il va se calmer, Darryl Monroe, c'est un beau joueur. On pourrait faire voir sur le parquet, juste comme ça. Allez, alors, c'est l'occasion de faire un bon break là. Deux lancers pour Gomis suite à la technique. Et ensuite, je ne me rappelle plus s'il y avait lancé. Ah, il devrait y avoir lancé encore après. Hein. Oh, 2 sur 2. 10 points pour Gomis. Non, il y a remise en jeu. Ouais, il n'y avait pas lancé. Oui, Boulazac n'a pas fait de faute encore. Gomis, 10 points, meilleur marqueur du match. Devant Bobo Colo 9. Bobo Colo, justement. Attention au marché. Ah oui, là, rien à dire. Allez, Nobel, on parle pas. On se remet en défense. Et même on revient s'asseoir, et c'est Jean-Michel Hippoca. Alors il a fait un bon passage, hein, Nobel Colo. Ah oui, 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 9 points. Impeccable encore dans cette première mi-temps. 9 déval. Belle présence au rebond offensif. Allez, Charrier à 2 points exter. Ça y est, enfin, après 3-4 minutes de disette, ça rentre enfin pour Boulazac qui revient à 10 points. 32-22. Brockman qui se démarque. Et Brockman, il s'est aussi shooté de loin, John. Quatrième point. Ross. Harris. Kirchhoff.
C'est Ramseyer qui est revenu. Et les cartes qui restent à 10 points d'avance. 1,45 à jouer. Ah, Jean-Michel, c'était compliqué là. La faute tout de suite. Intelligent là, Rockman. Limoges qui se servent plutôt bien de leur faute. Hein. On sait que ça fait partie des consignes de Yanakis, qui réagit tout de suite en faisant revenir Sambou Traoré. À la place de Brockman. Allez, Kirchhoff. Face à Gomis, Kirchhoff, ça monte très haut là, Christide. Ramseyer, un petit deux points, ah, c'est raté, rebond, du samouraï, Sambou. Wanamaker, il est lancé, Brad. Oh, il lui sent pas aller là. Ouais, rien à dire. Kirchhoff avait bien lu là ce qu'il allait faire. Faute de Wanamaker, passage en force, balle perdue. McAlarney va revenir sûrement. Ils ont deux fautes tous les deux. Ouais, deux fautes à Ryan Maker. Robertson revient. Attention à ce joueur. Hein. Il a quand même l'air d'avoir un sacré niveau. Tout ça, on le savait, mais pas trop en réussite pour l'instant, mais il peut faire mal. Hein. Merci. Nouvelle faute du CSP, deux lancers. Tan Plestid. C'est la deuxième, on va retrouver au lancer Boulazac, Kirchhoff. Il n'est pas marqué Kirchhoff. Pas de passe. Petit match hein, avec Kirchhoff. Il a longtemps joué en probé dans différents clubs, on a longtemps vu contre le CSP notamment. Mais Ramseyer qui est rentré avant. Ouais, on va pas le sera. À très tatillon quand même, hein, le trio. Au CSP. Brockman, relais Plestin. Ouais, le coach ne veut pas qu'il prenne sa troisième faute bêtement avant la mi-temps, sûrement. Dernière minute, hein. Au chrono de Beaublanc. McAlarney. Mais attention à ne pas dilapider, c'est 9-10 points là qui a eu tout le deuxième quart-temps. Pas trop de solutions là, Gomis. Chercher peut-être un tir extérieur. Ah, la faute là. Une nouvelle faute, cette fois-ci c'est Robertson. Il n'aura pas lancé, hein. C'est la troisième faute seulement de Boulazac. Étant mort. Étant mort, à 40 secondes, 8 dixièmes de la mi-temps. Jeter un œil hein, sur les autres terrains, voir ce qu'il en est de Cholet. Cholet qui prend un peu l'eau à domicile, hein, c'est bon pour le CSP, 5-15. Paris qui est quand même toujours une équipe très offensive, 48-33 là, à l'instant pour Paris. Orléans de son côté, mené à Strasbourg, 35-32. Donc, déjà, ça c'est bon pour Limoges. Roanne Le Havre, 31 partout, c'est serré. Nancy Poitiers, c'est serré aussi, 37-34. Dijon Nanterre, c'est serré. 41-39. On rappelle que lundi, il y aura un alléchant Le Mans Longvillers-Urbain entre deux des leaders. Vous vous retrouvez aux habitudes avec l'émission de Sport Plus, là, lundi basket. On salue les Ultra Green. On vous rappelle aussi que la semaine prochaine, il y a également un match à Beaublanc contre Gravelines. Il y a trois matchs en une semaine et deux à Beaublanc. Le BFM Gravelines. Deuxième, premier match de la phase retour. Limoges allait gagner. C'est le seul match d'ailleurs qui doit être en miroir, on va dire. C'était la troisième journée. On n'y comprend plus grand chose. C'est ce qui avait gagné 67-55. Et Gravelines, depuis, s'il joue comme hier soir, ça annonce un match super intéressant à regarder.
puis un duel au niveau des meneurs entre Gonis et Bex. Bex assez alléchant. C'est parti des meilleurs meneurs de Pro cette année. C'est reparti. 40 secondes. Hein. Avec Joe justement, oh, il dommage. A jailli Kharkov. Et tranquille en layup. Il mène à 7 points la Boulazac. Joe. Allez, faut marquer là, faut pas dilapider, vous l'avez dit tout à l'heure. Mac à l'armée. À 3 points, Mac. Ah oui. Le premier point d'un panier. Le voilà. Il est là, Mac à l'armée. On l'a tombé. Lui qui a eu. Il a eu 3 cm. Il a malchance hein, de retomber en finale contre le Corozin. Ah, c'est sa bête noire. Hein. Il tire à 3 points, Rostar Game. Oh, il a glissé. Oh, il a glissé, Harris. Et il a plongé, Brockman. Ah, il n'a pas le temps de marquer. Et c'est la mi-temps. Plus 10, hein. 37-27, 10 points d'avance pour le CSP. Match, allez, on va dire plutôt bon, bien géré par Limoges. On sent qu'il y a encore un peu de déchets dans le jeu. C'est normal, c'est l'arbitre de la première mi-temps. Mais bon, on espère que tout se passera bien, Thierry, pour que le CSP débute bien l'année. À tout de suite. On se retrouve au Palais des Sports de Beaublanc, 37-27 pour le CSP Thierry. On a découvert les stats à la mi-temps sur l'écran géant de la salle Limoges. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire Limoges tient sur ses cadres, hein, on va dire. Gomis, Bumbukolo, c'est l'intérieur. 10 points pour Gomis, voilà. 9 points pour Bumbukolo, BBD maladroit. Hein. 11 paniers sur 31, ça fait à peine 30%. Beaucoup de rebonds forcément, 18 rebonds pour Boulazac, 24 pour le CSP qui a profité de cette maladresse, beaucoup de ratés, notamment à 2 points, 1 sur 7 pour Monroe. Monroe qui souffre hein, face à cette défense, on l'a dit, Zarpo a fait un super passage. Monroe qui souffre, oui. Prestige en début de match. C'est un autre qui souffre aussi, on le voyait là avec Nicolas Meichtelman, son assistant sur l'image, pendant que les Limougeaux, tous ensemble autour de leur coach. Le CSP a 10 points d'avance, on a vu Boulazac traîner toujours, pas loin finalement, ils peuvent sur des coups de folie, on n'a pas vu Robertson encore, on a vu un petit peu Harris, mais attention, ils ont des joueurs de talent. Il ne va pas falloir que Boulazac revienne trop rapidement dans le coup, au contraire, essayer de remettre la tête sous l'eau, comme ça pour toutes, et puis on sera débarrassé. C'est ce qu'on doit se dire, Poca qui va faire la remise en jeu, et trouver Zarbo. Zarbo qui a gagné sa place dans le 5. Il faut dire que Monroe a souffert face à lui. Oui, 1 sur 8 hein, au tir, notamment 1 sur 7 à 2 points pour Monroe. Poca face à Ross. Oh, il a sauté Ross. Ah, joli Poca. Panier. Action individuelle, là, Jean-Michel Poca. Boulazac, il n'y a pas trop de marqueurs. Mon meilleur marqueur, c'est Ramseyer, 5 points seulement. Plus l'absence 12 de McKenzie et d'Hawkins pèse quand même sur les rotations. Ah bah dit McKenzie, oui, joueur important. Hein. Monroe, cette voilà. Fois-ci, nous fait mentir. Il va marquer et remettre l'équipe à 10 points, toujours 39-29. Ce petit match-là. Wanamaker. Ça n'a pas plu à Yanakis qui s'est pris la tête à deux mains là. Brockman, dessous Zarbo, allez, il faut enrouler. Voilà, oui Fréjus. Là, c'est un super panier de pivot ça, point rageur là, c'est Fréjus. Je sais qu'il fait un bon match, 4 points pour lui. Sûrement hein. Son meilleur match à Beaublanc de la saison pour l'instant. Kharkov. Brockman qui lâche par Ramseyer. Et Monroe il se lève. Oh là là, attention le folle planier là. Attention là. Brockman, Monroe. On peut se faire très 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 mal. Ah, c'est l'action spectaculaire on de la saison. Que, hein. Daryl Monroe a rien, bon ça a l'air d'aller. Il a quand même pris un Brockman sur le dos. Il a fait un soleil là, John Brockman. Ah, les deux hommes n'ont rien heureusement. Solide tous les deux. Deuxième faute hein, de Brockman.
coup de Saint-Pierre là, c'est qui fait chaud aussi dans Gobelin. Deuxième faute, hein, du coup de Jack Brockman. Et Monroe va être relancé. Il est en train de shooter Daryl. Moins 5 rebonds, beau passe, loin de ses standards, mais attention. Il débute bien sa mi-temps, hein, Daryl Monroe. Deux sur deux. Et Boulazac qui grignote hein, un petit peu. Dans un grand soir, il peut être irrésistible. Il a claqué des matchs à plus de 40 des balles déjà. Hein. Point d'écart, hein. 41-31. Zerbo. Voilà, Maker. Un contre un Zerbo. On va refaire la même peut-être. De l'autre côté, main gauche, c'est pas sa main préférée, ça a été. Kerkhoff. Ça le démangeait, hein. Alice là-haut. Et ouais, la faute de Fréjus. Ramseyer Brockman. Ça va, il se chauffe un petit peu, mais tout va bien. Zerbo à la faute, c'est sa deuxième. Zerbo, Monroe, Brockman, Ramseyer, vous avez quand même 4 gabarits dans la raquette là. Il y a du muscle. Il fait pas bon à aller s'y promener. Hein. Kerkhoff, c'est sa demi-nice. Il y va Kerkhoff, c'est raté. Rebond conjoint entre Demis et Wanamaker. Kerkhoff. Qui a joué le rôle du petit coup. Ah, joli ! Il a dunké ! Un petit dunk ! Il avait tout lu tranquillement, Wanamaker. Et l'énorme écran de Brockman, il a ouvert une autoroute. Là. 12 points d'avance. Et Monroe, toujours face à Zerbo, le duel. Là. Allez, Fréjus, parculé. Ah, il va faire la faute. Il pèse, hein, Monroe, quand même. Il a beaucoup plus de ballons, là. Troisième faute à Zerbo et le retour de Fred Pleskin. Il y a eu trois fautes au CSP en 2 minutes 30. Harris. Avec Ross. Ross Mipoca. Oh, Ross, il a raté. Bonne défense hein, du CSP. Oh, la belle passe de Pleskin. Pour son compère, Brockman. Il y a une vraie réentente hein, sur le parquet entre les deux hommes. On l'avait vu déjà en fin d'année dernière. Plus 14. Et le jeu qui montre encore ses qualités de passeur. Le jeu intérieur Limougeau, maintenant c'est devenu une force hein, dans cette équipe. Kerkhoff à 3 points. Kerkhoff s'est raté au bon de Gomis. C'est limite, Gomis il y va, il va chercher la faute, il l'a pas. Mipoca, et Kerkhoff. Il est parti Kerkhoff. Hein. Il va aller marquer, il avait fait la même tout à l'heure. Il remet son équipe à moins 12. Dommage de ne pas avoir pu prendre la poudre d'escampette définitivement. Allez, Wanamaker. Gomis. Gomis, Gomis, il en fait peut-être un peu trop là sur le coup. Harris, tout de suite, 3 points Harris. Ça rigole pas avec Harris. Hein. Vrai shooter. Hein. Est-ce qu'il peut être le Ryan Ayers de cette année? On se rappelle le shooter, l'ancien shooter de Notre-Dame qui avait fait parler la poudre dans une fin de match de folie. Jean-Mi, oh, c'est compliqué là. Oh là là. Brockman. Oh là là. C'est un peu brouillon. C'est un nouveau système. C'est essentiel. Pendant c'est... les fêtes. Ça tombe dedans. Mais hein. À l'arrivée, vous avez raison. 2 points de plus. On remet l'équipe à 11 points. Hein. Boulazac avait sur 3 points de Harris revenu à 9 points. Et Gomis Mipoca qui sort. En grande discussion, le capitaine avec son entraîneur. Il a peut-être voulu trop garder la balle de Miss sur certaines possessions. Lottier qui s'agite. Il
important aussi pour Boulazac, hein, qui a déjà 10 défaites sur 4-10. Notamment 6 défaites d'affilée lors des 7 derniers matchs. Ross. Monroe. Ça, c'est son jardin pourtant. Hein. Ça rentre pas. Plastide. Oh, oui, Plastide. Qu'est-ce qu'on aime voir ce genre de joueur de mouvement. Il fait 2m10, mais il est vraiment très technique. Félicité par Nicolas Linardo, Sachsen Plastide. Super panier, là, vraiment, du pivot américain. Et il enflamme le palais des sports une fois de plus. Bonne sélection de shoot, qui met la balle à l'intérieur, qui trouve un peu de transition et qui descend au rebond, hein, 28-17 au rebond. Voilà, oui, c'est important. Boulazac, surtout, il n'a pas de solution à l'intérieur, pas trop d'adresse extérieure, bah, ça fait 13 points. On va la mettre passe. Oh, dommage, grosse faute quand même. Très grosse faute, mais on va dire, il montait très faute. Haut. Il risquait pas d'y avoir le N1. Quinton Ross. Hein. Qui est allé au dunk. Deux anciens NBA. Hein. John Brockman et Ross. Ross mix 5 points hein, ce soir. Sur deux. 11 points d'avance toujours. Et 4,53 pour notre beau blanc. Chrono, le petit pas de trop. Trop ouais. Sambou Traoré va faire son retour à la place de Brockman. John Brockman. 3 fois John. 8,5 sur bon pour Brockman. On l'a dit, un meilleur marqueur de Proa depuis. Meilleur rebondeur, ouais. Meilleur rebondeur, oui, de Proa. Maintenant qu'il a fait assez de match. 9 de moyenne, c'est raté. Rebond de Plastide. Beaucoup Colo s'est mis à l'aide à opposer. Mec à l'armée qui traverse l'écran de Traoré. Petit shoot extérieur, c'est raté. Il n'a pas le coup pour Limoges. Limoges Boulazac. Skarkov et Plastide qui discutent encore. Limoges Boulazac, c'était la finale aussi de Pro B à Bercy. Et ce titre est glané oui. Par le CSP. McAllarney peut-être pour lui. Ah, bonne défense a encore. Pas plus armé, il a pas beaucoup de position. Karkov qui réclame le ballon. Ouais. 17 secondes. Il a le temps de faire quelque chose. Voilà, Colo
Il va prendre le tir extérieur, un peu forcé là, Nobel. Il est mieux à faire. Limoges n'en profite pas, hein. Boulazac finalement, on est 14 points. Jean-Michel Nipoca va faire son retour. Et sur un coup de folie de tir à 3 points, Boulazac serait dangereux. Ah, belle passe. Ah mais il va rater la finition là, c'est Gaillou qui est rentré en jeu. Gaillou qui découvre la proie après une quinzaine d'années en Pro B. Kerkhoff encore, qui était là. Ah, il a une sangsue, il en voit beaucoup Kerkhoff. Hein. Robertson va faire son retour. Nicolas qui va sortir. Dès qu'il y a un mauvais choix, c'est sanction immédiate avec Yanakis là. Voilà avec la canarné. Kerkhoff le lâche pas. Ah, il fallait shooter. Ça fait deux fois hein, que le CSP égrène trop longtemps. Ça remet Boulazac encore un peu dans le coup. Oh la mésentente. La mésentente Kerkhoff Ramseyer. Voilà Yotis Yanakis. Ça c'est des ballons perdus bêtement par le DBD. Hein. Ah, les cartes ne font pas, hein, qui restent toujours entre 9 et 12 points. Ouais, il y a eu plus 14 hein, tout à l'heure, c'est le maximum autorisé. La Calarné, il n'y a pas un mètre, un Mac. Alors il y va. Ouais, bien joué. Il y va à 2 points, ça rentre. Le scoop shot là de Kyle. Plus allez, Sambou, on ne parle pas. On vient se remettre en défense. Monroe face à Plestide. Ah ouais, là, oui, rien à dire. Il a fait le tour. La puissance de Darin Monroe. Et 8e point pour Monroe quand même. Hein. Et il s'est fait mal d'ailleurs sur l'action. Il est mince là, Monroe. Qui est revenu à la place de McAlarney. Sambou. Gomis. Poca à 3 points. Ah, pas d'adresse. Hein. À 3 points pour Jean-Mi ce soir. Gaillou. Gaillou. Il n'aura pas le même temps. Pas réussite là, plusieurs fois. Les joueurs du BVD sur des contre-attaques. Non, Boulazac qui part en site du tout. Hein. 11 sur 32 à 2 points, 3 sur 10 à 3 points. Pas l'adresse ce soir, le cercle est bouché. Allez, Gaillou, lancé. Premier point pour Gaillou, 10 points d'écart. Sur deux. Traoré. Gomis. Traoré derrière les 3 points. Et il s'avance un peu, Sambou. Ah, Gamel, dommage. Il n'est pas en réussite non plus, Sambou. Robertson. Ah, Robertson, toujours pas non plus. En deux temps, il va aller enfin marquer. Pas du goût du coach là, c'est deuxième chance offerte. Non, 8 points seulement. Hein. À force de laisser Boulazac dans le coup, ben voilà, ils sont bien là les joueurs du BVD. Plestide qui essaye de passer devant Monroe, la super duel entre les deux pivots. Ouais, bonne défense sur Gomis. Belle perdu. Hein. Rose pour Robertson. Et le contre de Wanamaker. Wanamaker. Ah, il est en derrière, bien joué. Il suivait, 6 points d'écart. Temps mort. Et voilà, voilà le BBD qui revient. Il y a le feu là. 6 points. Il n'y a pas encore le feu, mais Boulazac fait son match et profite
qui coûte moins bien. Ouais, c'est un 9-2, hein, tout simplement, pour le BD. Tiens, la kiffe, elle a senti un temps mort. 1 minute 05. Ouais, ça se fait qu'il perd beaucoup trop de ballons, 12 ballons perdus. C'est beaucoup trop. Boulazac n'a perdu que 6. Je crois que Boulazac est pas trop pas droit, on a dit. Ils vont nous promettre un écartant de folie, ça. Et attention au tir à 3 points de Robertson ou de Harris, ils me font peur. On les a pas trop vus, on a vu Harris. Le BD est en vie, hein, toujours là. Alors vous l'avez dit, hein, le premier derby s'était joué dans les ultimes secondes face à Poitiers. Pour l'instant, on pensait que la marge sera un peu plus confortable, on va dire, mais il lâche pas. Tant mieux d'ailleurs, tant mieux pour le spectacle et pour vous, derrière votre écran. Alors, ils ont été sonnés un peu à moins 14, mais le CSP n'a pas profité. Allez, dernière minute de ce premier tiers-temps, Gomis. Wanamaker, Wanamaker. Ça rentre plus non plus au CSP. Et Harris avec Monroe, il est sur Nipoca, il va en profiter sûrement là. Ah, faute de Jean-Mi. Attention, ouais, il n'a pas le temps, Jean-Mi. C'est vrai que Monroe, quand même, le taille au-dessus de Jean-Mi. La jambe, hein, lui dit Johan Janot. La prise de position était terrible avec Monroe. De lancer, hein, pour Monroe. Pas de faute pour Boulazac dans ce carton, étonnant. Et on voit Sylvain Lautier dans une attitude plus décidée qu'au retour des vestiaires. Et 1 sur 2 pour Monroe. Hein. Il va pouvoir faire des fautes, Boulazac. Ils ne seront pas sanctionnés par des lancers. Ouais, on va voir justement s'ils vont s'en servir. La logique voudrait que oui. Si jamais il y a une position pour les Limougeaux. De Colo, il n'y a pas trop de solutions. 4 secondes encore. Et oui, il faut shooter, Nobel. Mais c'est encore casse-croûte. C'est raté. Limoges n'y est plus en attaque. Ah, bien joué, Robertson, c'est super. Il va rentrer. Oh non, heureusement. Oh, Robertson, il n'est pas payé. 3 secondes. La contre-attaque, il faut y aller tout seul, Bradley. Ah, dommage de rater ce petit panier. Et heureusement que Robertson n'a pas mis dedans, parce que là, ça. Alors, on sent un peu de frustration là, dans les regards du Mougeot. 51-46. On aura peut-être notre money time finalement. Hein. On se dit dans quelques secondes pour vivre le dernier carton du derby. A tout de suite. Sur 9, 0-3 à 3 points, et c'est sûr qu'il va en mettre à un moment ou à un autre. Avec seulement 5 points d'avance, ça se fait qu'il a mis qu'un seul panier en dessin de la minute. Hein. On ne marque plus. Gaillou, Monroe au poste. Monroe, 3 points Harris. Oh, ben Harris, lui par contre, ça tombe à chaque fois. Voilà le BBD à 2 points. Moins 2. Aïe aïe aïe. Voilà une fin de match comme on les aime qui se prépare à Beaublanc. Boca. Faut surtout pas que les Limoges perdent confiance. Blasted, est-ce que les Limoges ne trouvent plus de solution, hein, sur cette défense? Ah, la faute de Gaillou. Faute de Gaillou sur Blasted.
heureusement. Et surtout, il ne faut pas tergiverser dans les têtes là et commencer à douter. Revenir à des choses simples qui ont fait l'écart en début de match. Fixer, mettre la balle dessous. Se servir de Trent Plaisted. Ah, bien joué Nobel. Le contre. Ah, il ressort intelligemment, c'est bien. Allez, 8 secondes. Un contre 1 pour Djokovic. Face à la Harris. Jean-Mi, allez, faut le mettre. Et oui, Jean-Mi. Oh, qui me fait du bien celui-là. Il restait sur deux échecs, il y a 3 points. Enfin, un panier, ça rentre. Obligé de le marquer. Attention, Nobel, pas loin d'une faute technique de M. Jeannot. 5 points d'avance. C'est peu, mais on s'en contentera. Harris, c'est lui hein, qui fait vraiment du mal, Darnell Harris. Ramseyer. Bonne défense de l'Hippoca, là, qui lâche rien. Ah, Ramseyer, il est passé. Oh, il est sévère. Bien après le shoot. Désabusé là, sur le coup Jean-Michel Hippoca. Ouais, faute de. C'est sa quatrième hein, Hippoca. Hein. Je crois que, pas en faute, Boulazan n'avait pas fait de faute dans le troisième quart-temps, c'est assez rare. John Brockman va faire son retour. CSP, beaucoup de fautes en revanche. Ramseyer, 1 sur 2, 54-50. Chaque point va compter maintenant. Le voilà. On va remettre ouais, Brockman, Plaisted, on remet du muscle. Face à Mono Ramseyer, il y a bien besoin de ça. Et reverrouiller peut-être le rebond qui a fait la force du CSP pendant 3 quarts de match. Ouais, Joe est passé. Il décale bien Nobel. Il faut le mettre. Ah, mais pas de réussite. Il y a des positions pourtant à 3 points. Une belle deuxième mi-temps quand même de Darin Monroe. Et le voilà, Monroe, un contre 1 face à Plaisted. Il joue à son niveau, tout simplement. Monroe. Marché, wow. Non oui. Ah, oui, marché, bien sûr. Il n'est pas content, Monroe. On va se concentrer, Monroe, hein. Il est beaucoup discuté là. Demis. Demis, 2 points. Ça rentre. Et voilà, le patron Demis ce soir. Super panier là de Joe. 12 points. Au moment où son équipe en a le plus besoin. Hein. Revient en jeu. Et le ballon justement Clinton Ross. Harris. Ah, l'autre qui veut jouer avec 4 ailiers. Plus Monroe dessous. Ah, bonne Monroe. Défense. Ah, il l'enlève bien. Oui, bien défendu ça. Et bien joué Brockman. Brockman qui nettoie le cercle. Monroe en fait qui gavait le ballon. Hein. Plaisted. Gomis. Aïe, aïe, aïe. Et la remise en jeu sera pour Harris qui appelle ses coéquipiers. 56-50, 6 points d'avance. On n'est pas encore dans les 5 dernières minutes. Ouais, ça vient doucement. Robertson. Harris. Ah, le duel Monroe-Plaisted, ça continue. Oh, la belle passe pour Gaillou. Magnifique, magnifique là. Monroe dans le dos pour Gaillou. Gaillou qui marque le troisième point. Et René Boulazac à moins 4. 4 points d'écart, ça devient très très chaud. Ah, il part en 1 contre 1, John. Provoqué la faute. À tous les face-à-face, ça gagne un peu en intensité. Troisième faute de Ross. Ça devient bouillant. Vous connaissez le parquet flottant, c'est le parquet brûlant là, à Beaublanc là, depuis quelques secondes. Et encore une faute.
c'est Harris qui va faire la faute. Wanamaker. Wanamaker de points, c'est compliqué, c'est raté. Et rebond de Monroe. Boulazac est toujours là. 6-26. Pas joué. Harris, oh là, il va prendre le tir à 3 points très loin, Harris. Oui, oh, oh, heureusement. Pas payé là aussi. Ça brassait dessous également. Heureusement, il pouvait revenir à un point. Allez, pas absolument commencer par une victoire. Hein. On a vécu une bonne année 2012. Il faudrait vivre au moins aussi bien en 2013. Ça commence par cette première semaine qui peut-être va décider de la suite, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Mais avant tout, il faut gagner ce soir. Brockman face à Gaillou, 1 contre 1. Bon goût derrière l'arc. Oh non. Oh, on va lancer. Généreux. Pas content, Boulazac. Il est parti très loin. Monroe, qui en fait beaucoup quand même, Monroe. Sa troisième, deuxième joueur de Boulazac à trois fautes, et on va retrouver Nobel. Alors c'est deux ou trois lancés. A priori, il était derrière la ligne. C'était trois, ouais. Ça fait du bien, ça, s'il pouvait les mettre. 6 minutes, un petit peu plus. Allez, Nobel, on sent quand même que c'est beau blanc, c'est un peu crispé, là. Oh, mais c'est long, ça. Il n'a pas marqué en deuxième mi-temps, Nobel. Comme d'habitude, la marque très très bien répartie hein. Au CSP. 1 sur 2. Pas de gros scoreur. Ouais, et Boulazac, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Beaucoup de marqueurs derrière Harris à 12. À tous les joueurs qui ont joué, ont marqué à Boulazac. Allez, 2 sur 3. Moshel Sambou n'a pas marqué. Hein. Et Vasco qui n'a pas joué. Anderson face à Wanamaker. Monroe. Plestide qui défend bien. Monroe, ça rentre. Ah, oh, il a balle derrière pour Boulazac a priori. Parce que Brockman sur Gaillou, ça chauffait encore. 58 pour Limoges, 54 pour Boulazac. Il y a eu faute, ça c'est sûr. Ouais, balle pour Boulazac. Attention là, ça vaut 4 points. Ça vaut une faute technique au niveau de l'impact sur le tableau d'affichage éventuellement. Et il prend le shoot tout de suite. Oh, heureusement, c'est précipité quand même ça. Pour, ah, ils ont raté vraiment beaucoup de. Et voilà, tout de suite derrière. Très vite, en panique, il fait du bien. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes. Robertson tout seul. Voilà, c'est compliqué. Et le filou, Brad Wanamaker. Oh, le BBD qui craque, des occasions. Non, en fait, cette faute, ça ressemblait à un canon empoisonné. Hein. C'est un peu comme si on venait du foie gras, mais de sanglier. Hein. Là, franchement, sur le coup, Boulazac se voyait revenir à moins 2, moins 1, voire égaliser. Et à l'arrivée, Limoges qui refait le break avec un panier de Wanamaker en transition. En mort derrière, parce qu'ils ont laissé passer leur chance, il y a beaucoup de temps encore. 5-31 à jouer. Mais ils l'ont laissé passer 3-4 fois dans le match, mais ils sont toujours là. Donc c'est vrai que dans ce match, Boulazac n'a sûrement pas dit son dernier mot, il y a encore beaucoup de temps. Alors bah, jeter un œil quand même sur les autres matchs, pourquoi pas rêver de cette Leaders Cup. On jette un coup d'œil, on remercie Guillaume pour la galette à la base, de nous avoir ramené ça pour passer ce temps mort. Alors, si je trouve la bonne page. Ouais, Cholet qui est largement dominé toujours. Donc Cholet va perdre hein, 83-65 pour l'instant pour Paris. Rohan qui a fait le break sur le Havre. Donc Rohan qui semble se diriger également vers une 7ème victoire. Strasbourg qui domine Orléans et Nancy qui bat Poitiers, ça va sortir des calculs.
bien difficile de savoir qui va faire cette Coupe Leaders Cup à Disneyland, qui est indiquée 17 février prochain. À la mi-février. Car il y aura souvent des équipes à égalité, il va falloir regarder les résultats de plus près. Dijon également dans le coup, hein. Dijon mais qui mais mène. Est-ce que le collabérage particulier on prend compte ou est-ce que c'est pas simplement quel panier ou le maker? Je crois que c'est des victoires entre les équipes à égalité et après il faudra les collabérages. Oui. Il y aura un petit classement qui sera fait entre les équipes. Le point à drage apparemment, enfin, on verra. Ça, c'est compliqué. Monroe face à Blessed. Et Wanamaker qui confirme. Hein. Et ouais. Monroe aussi qui confirme en demi-temps qu'il a retrouvé la santé. Wanamaker, 10 points pour lui et Monroe 13. Et 62-56. Wanamaker qui a beaucoup de ballons hein, en ce moment. Il prend les matchs en main malgré. Il doit faire 3 paniers d'affilée là. Il va, il ressort pour Gayou. 5 secondes, Gayou. Oh, il sent pas le passage en force de Gayou sur Nipoca. Ah, on a l'impression qu'ils ont laissé passer leur chance. Hein. Ils étaient vraiment tout prêts. Ils ont souvent laissé passer leur chance. Hein. C'est vrai que. Ils ont eu les occasions pour revenir vraiment dans le coup. Ils n'ont jamais repassé devant quand ils sont revenus tout à l'heure. C'était déjà bon pour Limoges. 4 minutes. Wanamaker. Hipoca, Wanamaker. Oui, il peut jouer à deux. Et Jean-Mi. Super. Qui a fait un petit panier, qui fait encore une fois. Le bras de Wanamaker chaud là, depuis quelques minutes. Il leur fait tout, le meneur US. Limougeot. Et plus 10, on a repris les standards là, du troisième quart-temps. Monroe, encore face à Blessed. Ça, c'est sifflé, c'est sévère, toujours ces fautes là. Ça peut siffler à chaque action. Hein, bah oui. Quand un joueur réduit la distance, l'autre ne recule pas. Forcément, il y a contact. C'est la troisième à Blessed. Hein. Joueur à 4 fautes pour l'instant, c'est Brockman. Ouh, et Harris qui continue. Harris. Allez, 15e point, 4 sur 5 à 3 points pour Harris. Décidément, ils n'ont jamais lâché. Hein. Poca à 3 points. Oh yo yo, Jean-Mi. Ah, son retour gagnant là du Poca. Un petit panier tout à l'heure, à 3 points. Une grande deuxième mi-temps, Nipoca, 10e point. 4 joueurs Limoges à plus de 10 points, enfin 10 points ou plus ce soir. Bon, la bonne défense de Blessed. Oh, elle a perdu Ross. Lautier, pas content, il voulait la faute. C'était limite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu faute sur Ross. Donc, les 10 points que Limoges a retrouvés. Bon, est suffisant. 2,42. Hein. Nipoca qui va les provoquer. Il y aura deux lancers. Hein. Pour un des hommes clés de cette fin de match. Je vous laisse écouter cette ambiance. Pour acclamer ce CSP qui a refait le break. Hein. Peut-être le break décisif. Allez, maintenant il faut mettre les lancers, Nipoca. Ultra à l'image, ultra green tout là-haut. Et Jean-Mi, Nipoca au lancer. Oui. 11 points, 6 rebonds. Très bon match. Hein. Deux sur
2, qui n'a pas tremblé, plus 12. Ça sent bon là pour le CSP, mais attention. Harris, il faut le surveiller comme il est sur le feu, Harris. Il est sûrement armé encore. Et Joe Gomis qui a pris un coup sur l'écran. Il a perdu son bandeau, le capitaine. Image collector, la Gomis sans bandeau. Dans les enjeux, un bon Boulazac, Dubiez. Dubiez, on n'a pas trop vu hein, de shooter. La Dordogne, un seul panier à 3 points en début de match. Dubiez, face à Bobocolo. Ça aurait été le panier le plus étrange de la saison. Et derrière, il y a faute et lancé. Ouais, de lancer pour Nipoca, je pense. Wanamaker et Nipoca ont vraiment pris les choses en main là, sur les 2-3 dernières minutes. Il n'y a plus que ton marqué d'ailleurs, pratiquement. Pour Mipoca, meilleur marqueur du match. Enfin, pour Limoges. Derrière Paris, toujours avec ses 15. Kharkov. La garder, Kharkov. Et Kharkov qui continue de parler. Vraie pipelette hein, ce soir avec les arbitres. Cette bonne guerre. 14 points d'avance. Monroe, elle n'est pas de bêtises et ça va passer. La 7ème victoire du CSP. Ouais, belle passe pour Monroe. Oh, il va rater Monroe, il va plus avoir le 1-1. Voilà une bonne faute encore de Wanamaker. Monroe qui est allé marquer derrière pour le fun. 13.9 rebonds, finalement il va arriver dans ce standard. Mais il aura quand même pas mal souffert le grand Monroe. En première mi-temps, ouais, il a vraiment eu du mal. Ouais, il était à 1 sur 8, là, il est à 5 sur 14. Un peu mieux, mais toujours maladroit. Plus 12, 2 minutes à jouer. Allez, Joe Gomis qui profite de Trent Plestide. Pour Plestide. C'est un caviar. On parlait de foie gras tout à l'heure, là c'est pas un caviar. Joe Gomis, 7ème place décisive hein, pour le coup. On a retrouvé le grand Jogo là ce soir avec ses 12 points. Le CSP qui se guérit tout doucement vers une 3ème victoire consécutive à Beaublanc. Ouais, on vous l'a dit, pourquoi pas une 4ème samedi prochain contre Gravelines. On sera ravis de vous retrouver pour le match. Entre temps, tour de coupe chez notre ami Paula Cortez, s'il vous plaît. Toujours un match à part aussi. Hein. On parlait de derby ce soir. Pau, c'est quand même un sacré derby historique, classico. Le classique, oui, Limoges-Pau. On vous rappelle aussi, pour suivre tout ça, la page officielle, Facebook, le site internet et le compte Twitter depuis aujourd'hui, Limoges CSP officiel. N'hésitez pas à suivre le club Limougeot sur Twitter. Kharkov, Wanamaker. Et Wanamaker, un petit dunk pour la route. Brad Wanamaker, un des hommes de cette deuxième mi-temps, un des hommes du CSP depuis quelques matchs. 14 points, hein, pour le voilà. Lui qu'on a lancé un peu partout,
Mais il est surtout au CFP à Beaublanc. Et il est bien là. Hein. Pour le plus grand plaisir des fans de Limougeaux. Allez, Rixeyer, on va les marquer. De... Orto. Alors que Trent Plachid applaudit logiquement. Trent, très bon match encore. 9 points, 3 rebonds. C'est juste qu'il revient. Il a fait un super passage. Après, il a fait un peu trop de fautes. Il est encore passé, Wanamaker. Inarrêtable. Festival Wanamaker. Ah, forcément, les défenses beaucoup plus larges. Face à un joueur comme ça, ça ne pardonne pas. Dès que c'est plus serré, il peut prendre les espaces. Kerkhoff l'amène en couleur de l'autre côté. 7 points pour Kerkhoff. On est dans la dernière minute, hein, les 35 dernières secondes. Plus 14 pour Limoges. Les matchs sont terminés. Hippoca pour Nobel. C'est court. Dernière minute, dernière action. Oh, l'interception. Victoire de Rohan, de Dijon, de Paris qui s'impose à Cholet. Nancy qui va poser. Allez, Fréjus! Ah, ça finit en showtime avec un dernier panier. Et la faute en prime. Bah, ils ont lâché hein, depuis quelques temps. Histoire de mettre. Yannakis jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il fait rentrer John Brockman. L'applaudissement, voilà, pour le maestro. Jogonis impérial ce soir. Tout le monde debout dans la salle. Hein. Remplaçants, supporters, partenaires, dirigeants. Et la lancée supplémentaire pour la route. Voilà, un point de plus pour Nobel. Il va arriver à 14 points également. Hein. Kerkhoff. C'est fini. Plus 17. 82-65. Limoges. A maîtrisé son match, Boulazac a cru un moment, nous aussi d'ailleurs, hein, pouvoir venir un peu gêner les hommes de Yannakis. Mais l'écart peut-être un peu large à la physionomie du match, mais la victoire a quand même vraiment mérité du CFP. Il y avait un bon Limoges ce soir, ça promet pour cette phase retour qui va commencer maintenant dès samedi, vous l'avez dit, contre Gremlin. Voilà, on finit à 7 victoires, 8 défaites. On ne vous dira pas ce soir qui ira faire du Space Mountain à la mi-février. On en connaît déjà 6, on connaîtra très vite dans les minutes qui viennent les deux derniers noms. Mais en tout cas, Limoges devait gagner ce derby, ils l'ont gagné, mission accomplie et à la semaine prochaine. Bye bye.